Bonjour, bonjour à tous, les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG et Course de Troyes, bien sûr. Évidemment. De retour sur ce jeu, magnifique jeu, bien sûr. En vrai, graphiquement, oui, mais le reste. Pourtant, l'histoire, elle a le pied sur le frein. C'est ça. Et à un moment, il faut lâcher le frein aussi pour nous. Je sais pas, on est curieux là. On sait toujours pas le tatouage et tout ça, on sait pas. Le tatouage, on n'a rien appris dessus depuis le début. Notre père, il est mort, on sait toujours pas pourquoi. Notre père nous demande de faire des trucs, mais il sait des trucs, mais il nous dit rien. Bon, c'est un peu, avancer, un peu compliqué là. Donc, oui, les pierres sont tombées sur le bateau là. Alors, est-ce que c'est des pierres qui sont tombées naturellement ou est-ce qu'on les a poussées sur nous? On sait pas. Et il y a une fuite, il faut colmater la fuite. Alors, on a les clous. C'est quasiment tout ce qu'il faut. Ah, j'ai la planche. On peut les faire là. Help me. Je crois qu'il nous manquera juste un truc pour l'humidité, non? La cire, un truc comme ça, je crois qu'on l'a pas encore récolté. Ah oui, la cire, oui. Ça, je peux lui mettre, ouais. Et ça. Ok. Du, du, du. Ah, au moins, il ne demande pas de cliquer sur chaque clou. Ouais. Good. Now smear the cracks with resin. Ok, bon, faut la résine. Il faut la faire chauffer, ouais. Ah, j'ai le silex, oui. Parfait, yes. En fait on avait quasiment tout, on a tout fait, à part ça. Voilà. Okay. Là par contre, tu te brûles les mains en allant chercher. Ouais. À main nue comme ça, le récupérer, c'est risqué. Marmite de résine. Ce qui va nous dire, vous n'avez pas de pinceau pour l'étaler, non ça. On sait jamais avec ce genre ah, de... Ah d'accord, ok, ça va. Everything looks good now. Jump inside the boat and let's get going. Mais t'es chiant de partir alors qu'il y a des trucs à faire encore. Bah, il y a ouais, ça encore. Et on sait toujours pas ce qu'il fait. On ah a oui. ça, ouais. Ouais. Après, peut-être qu'on va devoir faire des allers-retours. Hein. Ouais, je pense, ouais. Mais ça va être bizarre. Alors, avançons. Cinématique. Pas du tout. Ah, c'est fou, mon noir. On peut pas aller bien loin. Ouais, c'est. Yes. Qu'est-ce qu'on a Oh, capsule. Ah, yes, un peu plus d'histoire. Nice. C'est trop sombre, il faut que je trouve, ok. Rivière serpentine. Ah, en fait, c'est sur les lieux qu'on visite, je pense. Cool. Une rivière étroite à l'intérieur du gouffre qui prend sa source dans le lac de montagne de la vallée de Beuglin. La rivière est semée de rapides dangereux de gros rochers. Seuls les pêcheurs les plus braves et les plus expérimentés arrivent à la descendre. Et même eux ne s'aventurent pas dans les montagnes à cause des avalanches. Ah. Donc okay. Ce serait peut-être pas volontaire. Ouais. De plus, la rivière devient un labyrinthe quand elle s'approche des montagnes. Il paraît que la rivière commence au lac souterrain dans la montagne et qu'elle alimente le plus gros oasis des terres fertiles. Personne n'a jamais pu trouver cette grotte. Cool. Youpi. Personne n'a pu la trouver et évidemment nous on va finir par la trouver. Bien sûr. Parce que, parce que le scénario. Yes. Ok, il y a un nid. Ok, super. Bah, tu montes là, puis après là, puis après là, voilà. Ouais, ça se fait, hein. Il dit. Drôle de galets, super. Ah oui, c'est vrai, ils sont bizarres. J'avoue, ils sont tous étranges. Ah, il en manque, oui. Ah. C'est peut-être quelqu'un qui les collectionne. Et ça des symboles qu'on n'a pas. Ah, ouais. Lesquels bah, super. Ah, il y a un petit poisson. C'est bien, on a avancé pour finalement ne rien pouvoir faire, quoi. Il y a un métamorphe. Ouais, sans doute. Ah, qui va le trouver d'abord? Grande question. Peut-être qu'il n'y en a pas en fait. En tout cas, il n'y en a pas, on va rester 10 minutes comme ça. Ouais. Genre, il y en a ou pas? Ah, si, il y en a un. Je vais le voir. Donc, apparemment, il y en a un, ouais. Trouve un truc qui bouge. Ouais. Mais c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui bougent, j'ai mis beaucoup d'animations là. Pas simple. Ah si, j'ai trouvé. Tu l'as ? Ah ouais, écoute. C'est ça. Je me suis dit, j'avais vu qu'il y avait un truc inscrit sur la pierre, mais en fait ça change. Ouais, je l'aurais quasiment pas trop. Ouais, il est quand même. Avec le partage, il est pas si visible que ça. Ouais, c'est le problème. Ils se font un peu avec les mouvements qu'il y a sur les rochers de l'eau qui. Des reflets de l'eau. Des reflets de l'eau, ouais.
Il était trop discret pour l'opérer, je pense. Alice, last time I was here, there was plenty of room for a boat to pass. Look for some kind of long stick we can use to take apart this. C'est moi qui nous le reproche, genre attends, la dernière fois que je suis passé ici, c'était bon. ça va, en fait, pas grave. J'ai un bâton. Ok. Ah. Très efficace. Nice. Ah, c'était là en fait la suite. Ok. Ok, parfait. Bon, bah, on va pas d'escalade alors. Look, Colin, the doors are locked. We need four strange stones to open them. Ah ouais. 3, pas 4. Évidemment, toujours des portes verrouillées avec plein de trucs. C'est ça, ouais. Un peu bizarre. Ah, encore un truc. Métamorphe. Yes. Je sais pas si je l'ai ou pas. Ah si, ouais. Il est évident. Ouais, vas-y, monte-le. Allez, comme ça, ouais. J'aurais pas eu. Ouais, non, c'était pas les gens. Des champignons, tête de mort. Ah, mais en même temps, c'était à côté de là où tu trouvais un truc. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai tout de suite regardé, donc c'est là. Je me suis fait encore avoir par les des réflexions de l'eau, et du coup, et vu que les trucs d'avant c'était sur des rochers, du coup, je regardais les rochers. Ok. Ah, des galets, des cailloux. Parfait, il me fallait des cailloux. Ok. C'est tout ce qu'il y a là. Il y a des bruits d'eau. Une caverne, c'est plutôt. Inondée, c'est plutôt bien. Hein? Ah! Les insectes qui brillent pour la lumière de notre côté là. J'ai un truc ou pas? Non. Évidemment que non. Je peux faire un truc avec ça? Apparemment. Poisson, je peux pas de poisson. Ah! Je crois que c'est deux trucs différents. Ouais, je crois. Bon, tant pis. Bah, écoute, on verra plus tard. Ouais. Ça pourrit dans ma poche. Puis... j'ai les cailloux. Une chance que vraiment les bons cailloux soient au bon endroit, quoi. C'est pas les mêmes? Oh non. Fais chier. Mais pourquoi on prend des cailloux si c'est pas pour les mettre avec les autres cailloux? C'était pas logique. Ça, il faudrait ça. On a toujours pas de lumière. Là, on a toujours pas les symboles. Encore un truc là. Gros tout. Ah, il y a un truc là. Ah oui. Ouais, je l'ai vu, mais il a l'air un peu haut, quoi. Ah, je lance les cailloux. Ah. Ouais, peut-être. Mmh. Oh yes. Il va avec le dernier caillou comme par hasard. Alors, ah non, on regarde. Oh, je suis mauvaise langue. Vas-y, écrase-le. Vas-y, éclate-le. Je sais pas ce que c'est, mais. La vache. C'est joli, ouais. Ouais. c'est ça. Bon, on a déjà deux. Ouais, je vais les mettre. C'est pas mal. Tac. Ok. Tu mets plus sur le je suis pas sûr, mais. Ah. D'accord. ok, comment t'es censé deviner ça, quoi? Là, ce qui me semblait que ça c'était allumé vert parce qu'on pouvait faire un truc, mais. Crochet, on est dans un truc à crochet. Qu'est-ce que je crochette? Ah. Dans la maison du pêcheur, enfin, le truc d'avant là. Le poisson dans l'arbre, peut-être le récupérer, mais enfin, ça me paraît moyen, mais. Peut-être. Faut vraiment qu'il soit long, quoi. Non. Ok. J'ai arrêté. Alors, c'est où? C'est après. Alors là. Hop. Tu t'accroches avec ça? Ouais. Non, quand même pas. Ouais, comme ça. Ouais, avec les objets qu'on a, je vois pas trop ce qu'on peut faire ici, quoi. Ouais. Parce qu'il nous faut de la lumière pour le truc sur le côté. Là, il... Ouais, tu... C'est bizarre, mais... Tu le remplis d'huile, je sais pas. Peut-être qu'il pète un câble. Ça, on a aucun symbole pour ça. Ouais. C'est pas une serrure qu'on peut crocheter, quoi. Okay. Ah. Qu'est-ce qu'il y a là? Il faut un objet fin pour le récupérer. Ah. Un poisson. C'est le mec qui a rien compris. Quoi? T'as réussi à voir ça, toi? What? Et même, genre, pourquoi ça spécifiquement? Genre, c'est pas du tout ce qu'on a besoin. Ah, si, c'est le mini-jeu, non? Ça. Ah. Oh, lâche.
Ah oui. Donnez-moi, parce que moi j'en souviens plus. Nice. Alors appuyez sur les boutons situés au centre des triangles pour remettre les images à leur place. Ah oui. L'eau en bas, ça au milieu, les montagnes en haut. Yes. Le soleil au sud. On va s'amuser. Oh la vache. Ouais. Alors attends. Gros, faut que t'arrives à mettre les deux montagnes à côté du soleil. Les deux montagnes à côté du soleil. Non, attends. Parce qu'il y a un truc là, deux et après, trois. Après, je sais pas quelle est la façon la plus optimisée. Ou bien tu montes le soleil, tu fais pas après, mais... Ouais, tourne le soleil, tourne. Ouais, non. Retourne le soleil en bas. En bas à droite. Ouais. Ensuite, tu tournes le soleil. Ouais. Pour mettre la forêt à la place de là où t'as le soleil. Ah, ensuite, tu fais tourner pour pouvoir monter la montagne. Mmh. Et comme ça, si tu retournes le soleil sera en haut et les deux montagnes seront en haut aussi. Okay. Enfin, seront bien. Ah, il faut l'eau au milieu en fait. Parce qu'il y a l'eau là. Ouais. Je pense. Ouais. Du coup. L'eau au milieu. Sûr, ouais, ça se fait. Comme ça, mais. Il faut... Si, tu tournes celui du milieu, je pense. Encore une fois. Ah mais non, ouais. Attends. Là tu tournes celui de gauche. Et là tu tournes celui du milieu. Oh, nice. Ah, ok. Trop fort. Ah, troisième. Yes. Statuette en pierre, on a les trois trucs, enfin les quatre. C'est trucs. Tout, genre, on a fait tout ça pour le tout petit truc pour ouvrir la porte quoi. C'est ça. Alors que un autre, on l'a trouvé dans une stalactite juste au-dessus, qui était gratuite quoi. Ah là là. Clac. Oh, l'animation d'ouverture par contre, ils sont pas fichés. Hein. C'est clair. On est où après là? Ah, il y a un métamorphe. On l'a pas trouvé. Ouh. Ah non, c'est après. C'est après. C'est après, non. Ah, c'est ce qui tombe. Oh, c'est cinématique. Oh, waouh. Non, ils sont fait trop chier, c'est trop beau. Oh là là. Voilà, vous pouvez pas respirer, ouais, ça a l'air. Ouais. C'est clair. Ah, enlève ton truc, ouais. Ça me sert à quelque chose, quoi. Ah, l'oiseau est parti, elle est morte. Merde, c'est pas oh, super. Ceci est mon urine. Ah, les vieilles références, putain. J'en ai marre de moi. Nice. Nous avons finalement trouvé une solution pour continuer notre voyage. Nous venions juste d'entrer dans la gorge lorsque de terribles créatures nous ont attaquées. Elles semblaient faites de fumée. Je pensais que c'était la fin, mais au dernier moment, l'oiseau de feu nous a sauvés. Ah, trop fort. Il s'est envolé de ma main et a émis une lumière encore plus lumineuse que celle du soleil, alors je me suis évanoui. Colin m'a donné une potion spéciale. Ah, c'est la potion qu'on a fait. Il m'a remis sur pierre rapidement. Il savait qu'on allait se faire attaquer. Il savait, ouais. Attends, trop fort. Bon, les terribles créatures, non, il n'y en avait qu'une seule. Bah, si elle était grosse. Puis il a mis le côté, genre. Il a mis une lumière plus forte que celle du soleil. Une lumière aussi forte que celle du soleil, c'est déjà pas mal, en fait. Hein. Oui, c'est clair. Mais bon, écoute, peut-être qu'elle l'était plus. Hein. Ah, belle grotte. Ça ah, va. Je trouvais le métamorphe. Ah. Alice, are you alright? How are you feeling? You lost consciousness for some time. Et je vois aussi une expression facile, quoi. Luckily, we found a place to hide and we're safe now. Not far from here lies a town where my old friend lives. He's a scientist and he should have at least some idea about the bird that saved us. Nice. C'est cool, ouais. Alice, see this gondola? We can use it to go up to cliff top. C'est cool de savoir ce qui se passe, quoi. Ok. Colin parlait d'une petite ville pas loin d'ici, il y a un ami qui habite, un scientifique, c'est vrai, si on le trouver, il pourra sûrement nous aider, nous en dire plus sur l'oiseau de feu. Yes. Nice. Ok. Du coup, métamorphe. Ah oui. Tu veux sous ouais, il y a le truc au côté aussi. Il y a juste sous les poissons. Oh, lui, il est facile. C'est clair. Oh, on les a tous presque. Quasiment, ouais, putain. Bien. Sauf que ça débloque rien du tout, ça va être juste en mode genre. Pas sûr, bon. C'est clair. Alors, on a une nacelle qui nous emmène à Ville-sur-Falaise, là. Yes.
hâte de découvrir cette ville sur falaise. Ferme, super. Tu peux y aller? Ça marche pas, bien sûr. Évidemment, tout est cassé dans, cette, dans, dans ce monde. Ça, c'est quoi? Ah, Encore un truc où non. On n'a pas ce qu'il faut. On a un poisson, pas sûr que ça nous soit très utile. Ok, super. Génial. Et ça, c'est la... Ah, c'est ça, en fait. Non. Pas sûr que ça suffise. Ah, T'as tout cassé. Ah non, il manque un rouage. On a des cailloux. Sérieux, là? Genre, le rouage, c'est vraiment caché juste en dessous, quoi. Fixer ce rouage avant qu'il ne retombe. Avec ça, là? Ouais, peut-être. Ça marche? Et là, tu veux marcher ou tu veux pas marcher? Oh, yes. Oh, un mécanisme qu'on a réussi à réparer en moins de 5 minutes sans avoir 10 000 pièces. C'est clair. Oh là, c'est cinématique. Ils sont fait chier quand même. Hein. Mm. En plus, ça s'appelle Alice. Now we can go down to the old cliff town where my friends live. Wow. They'll help us. La vue est sympa quand même. Ouais. En vrai, ça, c'est un peu télichant quand même. Ah, mais ça, c'est. Ouais. Y a pas sur la carte, ça, je crois. Si. Ah, si. Ah, c'est l'île flottante, bah oui. Mais oui, évidemment, si on a une petite femme. Lol. Ce que j'aime bien, c'est que genre, t'as un pont que personne n'aurait envie d'emprunter parce qu'il est en bois et beaucoup trop fin pour être aussi long, vers une île qui est trop chelou, mais pourquoi pas. Et tout au fond, t'as un genre de d'endroit démoniaque où t'as envie d'aller. C'est le menu. C'est yes, c'est très envie. T'as ville sur falaise d'un côté, le truc de l'autre et la ville ici. C'est trop bien. Vraiment, ce qui est bien, c'est que genre, tu te dis, ah, c'est quoi? Et bah, c'est le nom du truc. C'est ça. Ah, il y a une ville sur la falaise. Bah, ça tombe bien, ça s'appelle ville sur la falaise. Ah, merde, il n'y a pas de nom. Île flottante, bah, ça tombe bien, ça s'appelle île flottante. Est-ce qu'il y a un métamorphe? C'est la question que tout le monde se pose. Quoi? Ah, c'est ça? Ah oui, oh putain, c'est la plante. Ouh, la vache. C'est très mystère. Ok. Ça avance en vrai, mine de rien. Quasiment la moitié, quoi. Faut descendre là. Là, c'est fermé. Ce que j'aime bien, c'est que... Genre, tout est détruit aux alentours, mais tu veux quand même passer par la porte, tu vois. Ah, oui, parce que là, c'est quoi, là? Ah, c'est les rochers hurlants. Nice. Yes. Et le château des ténèbres. Yes. Oh, on le voit bien qu'il a des ténèbres là. C'est clair. Il fait noir. Ténèbres. Pas très encourageant. Quelque chose à côté de la planche, super. Comment récupérer? Ben, en tournant le bras, peut-être. Ouais. Ne soyons pas trop méchants avec son héroïde. Je peux pas y aller. That is the floating island. It's surrounded by an acrid vapor, and it can't be accessed without a special protective suit. Fluo. Faut un scaphandre. Quand c'était encore plus lourd et sur le pont en bois, Très rassurant. Il a bougé, il s'est rapproché. Il vient vers nous, bonjour. Je suis le... Avec moi, le câlin. Sauf que c'est un château, donc il t'écrase. C'est clair. Ok, alors je peux descendre là. This is my scientist friend's house. I hope he's in. It all looks so empty. Where has everybody gone? Quel joli petit faubourg. C'est clair. Une ville pleine de charme. Sac de somme. J'ai trouvé le métamorphe. Ah. En haut, à gauche. Sur le linge. Ah, sur le linge. Le dernier, il change. Ah oui, oh putain. Au début, justement, j'ai vu ça avec le truc rouge et je me suis dit peut-être que c'est le rouge qui change de couleur, tu vois. Non, non, c'était juste un des blancs qui bougeait. Allô? Putain, mais même l'animation, ils sont fâchés de ouf, ils l'ont modélisé en 3D pour cette animation aussi propre, quoi. C'est quoi ça? Je sais pas. Mais je pense qu'il faudrait peut-être un caillou en dessous aussi. Genre le mec, sa sonnette, elle est cassée. Ah, on passe par les égouts. Yes, ça va nous rappeler d'autres jeux où on était aussi passé par C'est clair. Ouais, des goûts quoi.
ouvrir le tonneau quand t'as soif. En fait, on est alcoolique. C'est quoi ça, là? Je sais pas, ça me met une genre d'arène. Oh la vache. Attends, genre on est rentré dedans comme ça. Ouais. C'est ouvert au public, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors que ça a l'air d'être la centrale d'énergie de toute l'asile, quoi. Quatre poignées et des appareils bizarres. Ok. C'est rassurant. Je peux encore avancer? Hein? T'as qui tient boutique dehors alors qu'il y a genre vraiment pas un rat, quoi. Genre, c'est clair, ouais. Ah, au cas où il pourrait y avoir un client. Hello, young lady. Welcome to our humble town. Who's here with you? Oh, that's you, Colin, returned at last. Remember how you promised to fulfill any wish of mine so many years ago? I asked you to bring me something to remind me of the ocean. And what did you do? Left me all alone. I spent so many years waiting for you. What's that? You wonder where everybody is? They've gone deep into the desert to defend the fertile lands from darkness. Yes, it's already here. Now get out of my sight. D'accord, très bien. Eh ben c'est génial, ça. Et donc ça va être à nous d'honorer la promesse de... on n'est pas boniche, hein, c'est bon. Hein. C'est peut-être nous qui allons repousser les ténèbres avec notre tatouage. À mon avis, ça va être le cas. Hein. Ouais, je pense. Ils ont rencontré une vieille amie de Colin. Il s'est avéré qu'elle lui en veut énormément. Elle a refusé de nous parler. Très bien. Et ça a dû le sentir. C'était cocasse qu'elle veuille un truc de l'océan d'un mec qui s'appelle Colin, tu vois. Genre... J'ai eu poisson pané. J'ai eu poisson pané, si tu veux. Ouais, c'est ça, genre c'est Charlie une boîte, si tu veux. C'est cadeau. Ok, faut faire quoi avec elle? Du coup, je pense qu'il faut aller trouver ce qu'on plaît, quoi. Ouais. Faut trouver son ami. Ah, il faut lui amener un truc. C'est la seule connaissance qu'on rencontre. En fait, il lui devait un truc, il s'est barré. Peut-être qu'en fait, son ami, c'est pas vraiment son ami. C'est clair. Faut lui trouver un truc de l'océan. C'est... Super. Ouais, bah écoute, on se dirige vers le désert, c'est dommage. Hein. C'est ça. Ah, bah, on en vient de. Ah oui, un peu plus d'eau. Mais... Non, il y en a un, pas là. Il y en a un là, ah il y en a autre chose. Je crois l'avoir vu. Il me paraît bizarre. Genre en plein milieu les piments rouges. T'es passé dessus, au-dessus? Ah oui là. Ah oui. Genre ils deviennent transparents, genre ils s'assèchent. Oui ils sont tous secs, ouais. Trop bizarre. Ça c'est quoi? Ça c'est rien, ok. Encore une pente avec un truc à mettre dedans, yes. Les gens rentrent pas chez eux en fait. Oh la vache. Ah. Ah bah tiens. Voilà. Quoi? Je veux des... c'est un peu sale ici. Hein, je vais faire une omelette apparemment. Ouais, méga omelette pour toute la ville quoi. Doink, doink. Bon, tu fais casser les œufs vu comment tu les balances à toi-même. Mais... Pourquoi je prends les œufs? Je sais pas. Neuf œufs. Putain, on a trouvé tout d'un coup quoi. Genre, on s'est senti obligé de ramasser les œufs en mode ouais, envoi. Faut que je les vole. Ah bah ça, d'accord, ok. Neuf œufs. Appuyez sur les œufs dans le bon ordre. Si vous appuyez dans le bon ordre, les œufs restent enfoncés, sinon ils remonteront. Cool. Non. Ça va être... Ah. Oh. Oh putain. Oh, de le coup, quoi. Putain. Non, à mon avis, c'est un pattern simple. Ouais. Donc ça se trouve, la tête a commencé. Ouais, c'est ce que j'aurais essayé. Celui-là, je l'ai déjà fait, je crois. T'es sûr? Oh. Ah voilà. Oh. Tu vois, j'ai dit, à mon avis, ils sont pas méchés. Il y a trop d'œufs pour que ce soit un truc complètement aléatoire. Alors tu recommences de là, puis tu fais comme ça après. Ouais, peut-être, en vrai. Bon, c'est le pire code à faire. Hein. Genre, ça revient à faire un code de téléphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais... Ah, peut-être pas, en fait. J'ai fait celui-là, ça a pas marché. Ouais. Libère-toi des... Ah, voilà. faut essayer des trucs, de toute façon, on connaît le début. Donc. Yes. Mais. Ah, de toute façon, c'est essayé. Ça hein. va être le dernier, bien sûr. Ouais, tu vois. Voilà, c'est ça. Et ouais, c'est le dernier. Comme quoi. Hein. Peut-être tac-tac. Hein. Puis après, tac-tac-tac. Je dirais peut-être tout ceux d'en bas, puis après tout ceux d'en haut, quoi. Ah, peut-être. Oh.
peut-être celui-là. Putain, ça va être trop simple non plus, alors ça va, c'est... C'est horrible. En fait, il respecte des patterns qu'à moitié, quoi. Ouais. Moi, je dirais du coup celui du milieu, hein, ouais. À la limite. Oh là, on a une chance sur deux. je vais dire... C'est une pièce, un pile ou face. C'est celui de gauche. C'est celui de droite. Ah putain. C'était sûr. Le jeu nous prédit. À mon avis, il a dû faire des statistiques. Voir où est-ce que les gens appuyaient. Ouais, pour exprès ne pas le mettre. Ah, les éléments. C'est encore. Ah, oh, capsule. Flacon vide. La capsule. Ville sur falaise. Mieux, non. Une grande ville à bordure des montagnes, logique. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle. Pour l'instant, ça va. Une grande ville sur la falaise. Il fut une époque où cette ville était pleine de vie, et les vastes vignes qui l'entouraient produisaient un vin excellent, mais au fil du temps, l'air brûlant du désert arriva jusqu'à Ville-sur-Falaise, détruisant toutes les plantes et rendant la terre stérile. Merde. Les habitants abandonnèrent les falaises et les Sakuom prirent leur place. C'est qui ? Je ne sais pas qui c'est, mais yes. Personne ne savait qui ils étaient ni d'où ils venaient. Certains racontaient qu'ils venaient de derrière la grande fissure du désert de la mort, d'autres affirmaient qu'ils venaient de l'océan infini. Personne sur les terres fertiles ne possède autant de connaissances que les Sakuom. Ils ont réussi dans une moindre mesure à rétablir la vie dans vie sur falaise. Cool. Génial. C'est une belle jambe, tu vois. C'est clair. On a le cristal. Ouais, quoi, peut-être pouvoir toquer chez l'ami. Quoi ? Ah, d'accord, trop bien. Ok. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais non, c'est efficace. Salut. Il a pas l'air bien. Très content. T'es là ? Ah, ça y est. Oh, Colin, what a surprise. Who's this with you ? Alice, Melody's daughter ? Nice to meet you, Alice. I'm Marcus. So, you say you found a strange egg from which a bird of fire hatched? And it flew into the girl's body. That's incredible. How about this? I'll search my books for some information about that bird, and you help me in the meantime. Colin, darkness is approaching. A castle of darkness is being built at the edge of the infinite desert, and this poses a great threat to the fertile lands. Our people have been trying to hinder the construction, but we're too weak to defeat the desert people. We've developed a unique weapon, able to destroy the castle, but we need a special substance to activate it, which can only be found on the floating island. Find a way to get there. C'est la crème anglaise. Colin, take this note. It's a hint, but alas, I haven't been able to decipher the symbols. Mm-hmm. Okay. J'allais dire, putain, le mec, il est en mode genre, tout notre peuple n'a pas réussi, mais vous deux. Tout seul, vous allez y arriver. Bien sûr. Bah, yes. Nous avons finalement retrouvé Marcus, l'ami de Colin dont on a parlé. Il nous a promis de chercher les informations dans les vieilles notes qu'il a gardées sur l'oiseau de feu. Parce qu'il nous parlera des ennemis de tous les êtres vivants, les hommes du désert, qui étendaient de plus en plus leur influence. Un nouveau château des ténèbres en construction en bordure du désert infini est presque terminé. Les habitants de Ville-sur-Falaise essayent de repousser les travaux de construction, mais ils ont besoin d'aide. Ils ont créé une arme qui peut combattre les ténèbres, mais ils ont besoin d'une substance spéciale qui se trouve sur l'île flottante. Ils ont trouvé un moyen d'aller sur l'île. Ok. Super. Bon, ben, c'est quoi ça ? Ah, c'est les symboles du truc, non ? Je sais pas. Peut-être. Sans doute, du coup, ouais. Ah, il est parti. Oui, c'est marrant, genre. Mais vous êtes rentré chez moi ? Oh, mais c'est collant ! Vas-y, c'est bon. C'est comme du tout, frérot. Ah, métamorphe. Ah, putain, t'es rapide. Ah, vache. Allez, ouais, ça, c'est ce que j'ai dit. Ouais. J'ai un doute si c'était le bon truc, mais... Alors, ouais... Alors, est-ce que c'est ça, ou pas ? Oh, c'est vert partout, hein. Ah oui, c'est... Ouf. Ah non, le lac... Ça retourne en arrière, ça. qu'est-ce que j'ai, là ? Ah, l'élément, c'est ça ? Élément... Pas du tout, très bien. Il manque un truc, quand même, non ? Ça ressemble... Ouais. Mais pourquoi il faudrait qu'on vienne ici ? C'est avec ça à faire ici. Ouais. Il y a un truc dans l'eau aussi, je crois. Non ? Il y a une lueur sous l'eau, mais c'est profond. Ouais, on va pas vider l'eau avec notre flacon. Ça me paraît un peu ambitieux.
Ouais, bref. Bon bah c'est vert, mais bon, on peut rien faire. Ah, il y a un truc là aussi. Ah oui, là. Ah, pas mal, moi j'ai trouvé un autre objet. Ah. Genre, si tu vas au milieu et que tu vas un peu vers la droite, tu sens qu'il y a rien à foutre là, l'objet. Ouais, c'est clair. Je me fixais parce que je me dis que tu vas changer, mais... Ah non, c'est une nouvelle collection. Il fait quand même, ouais. Ok. Bah yes, écoute. De toute façon, pour y aller, c'est... Ouais. Il faut une combinaison. Combinaison, ouais. Ok, bon, on va s'arrêter là, je pense. Ouais, c'est mal, on a pris beaucoup de trucs. Ouais, c'est clair. On se plaignait de pas avoir assez d'histoire là. Le jeu des ténèbres, l'arme de ce peuple de la falaise, ouais. Les Sakum, ou je sais plus comment ils s'appellent. Les Sakum. Bon, ça va, on a de la matière, quoi. Ah, en fait. On a été choisi par l'oiseau de feu pour protéger contre les ténèbres, trop bien. Yes, et du coup, ça a condamné notre père à mourir. Ouh. C'est ça. Et du coup, c'est bien, c'est pourquoi on a tué notre père, tu vois. Alors que, techniquement, si l'oiseau de feu est arrivé pour nous, c'était pour empêcher les hommes du désert. Avec leur château des ténèbres, je sais pas quoi, là. Mais les mecs, ils nous ont tués dans la vallée fertile, donc techniquement, ouais, c'est là où il y avait... C'était peut-être... Enfin, je suppose, tous les gens c'était... gentils, enfin... Ouais, c'était peut-être des méchants, ouais. C'était peut-être des méchants. Ouais, mais t'as vu, genre, on a galéré pour aller jusqu'au village de la falaise, tu vois. Ouais. Mais bref. On verra bien. Je suppose qu'on en saura plus tard. Yes. Mais déjà, on a eu quand même pas mal d'éléments, et c'est déjà pas mal. Ouais, ça a avancé un peu, c'est bien. Là, on ne se plaindra plus sur le scénario. C'est ça. Voilà. Ça va, ils ont avancé un peu, tranquille. Là, yes. C'est bon, ça. La machine a démarré. C'est ça. On est dedans. Quoi. Ah, voilà, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser les likes, des commentaires à partager, bien sûr. On essaiera d'en savoir plus la prochaine fois avec vous, bien sûr. Évidemment. À la semaine prochaine, les amis. Et ciao, ciao. Salut.